Bonjour à tous, donc je vais vous présenter mon programme spécial coronavirus. Bonjour à tous, je vais assassiner quelqu'un en direct. Assez drôle. Ça va comment? Mais t'as trop. Ouais, ça va tranquille, ça dit quoi? Un confinement, tu connais, hein, là c'est la cata, la cata. Tu fais des provisions un peu? Ouais, j'ai fait 2-3 courses vite fait, hein, tu connais, hein, essentiel. Hein. J'espère que tu fais pas. Et toi, ça dit quoi, t'es où là? Tu fais pas le gogol comme les autres. Je suis ici. Non! Ouais. Je suis chez Cyprien, je profite de lui avant le confinement un petit peu là. Ouais. De toute façon, le confinement il va arriver en pas longtemps et de toute façon, t'as. Hey, est-ce que tu t'es fait spammer sur Insta et. J'ai reçu trop de messages. J'ai reçu trop de messages là depuis cette nuit. J'ai reçu énormément de messages des mecs qui sont à la salle. Ils cherchent une salle de musculation, ils demandent où est-ce qu'ils peuvent s'entraîner. J'ai reçu des vidéos des mecs qui s'entraînent dans des garages. Ils ont réussi à se faire des salles sur mesure. Bref, c'est la guerre totale. Les gens là, ils sont prêts à tout pour s'entraîner. Ils sont prêts à tout pour prendre du GABS. Ils veulent pas s'arrêter. Ils veulent pas connaître le virus. Mais c'est n'importe quoi. Parce que c'est comme ça que le virus il va se propager. Donc. Ouais. Mais moi, mes élèves, ma communauté, gros, ils me spam et c'est normal. Genre, qu'est-ce que je fais pour. J'ai pas ça, comment je fais? Je vais tout perdre, etc. Ouais, bah ouais, parce qu'ils ont plus de poids, ils ont plus rien, donc ils sont perdus. Parce que voilà, c'est normal, hein. Ils se sont jamais entraînés sans poids pour la plupart, donc. Il faut les aiguiller, là, faut les aider. Faut les aiguiller, faut qu'on leur balance quelque chose de. Sans poids de corps et. Juste avec poids de corps et avec élastique. Poids de corps élastique. Tu vois? On va leur faire un programme quarantaine, comme t'as dit là. Poids de corps élastique, je pense que ça va durer longtemps, donc cycler, 45 jours minimum, varié, tu vois, propre, archi bien, gratuit normal, gratos. On va commencer par les hommes, gratos, hein, de toute façon, par les hommes. Ouais, on va commencer par les mecs, de toute façon gratos, et on va leur mettre plein de variations, on va changer les, de toute façon il y a énormément d'exercices, hein, sans poids et avec les élastiques, ils peuvent tout bosser, les jambes, les sangles abdominales, tout ce qui est gainage, etc, ils vont se faire un tronc de ouf, ils vont peut-être même limite gagner en puissance, tu vois, avec le programme qu'on va leur faire, ouais, puis ça va leur faire changer un petit peu de la routine de d'habitude. Vu que c'est ça, un changement par rapport à la routine, ils vont se galber, ils vont prendre du muscle, ils vont pas... prendre du muscle puis encore continuellement prendre du muscle, ils vont arriver à un plateau, mais au moins ils vont rien perdre. Ouais. Non, ils vont rien perdre et surtout ils vont garder leur puissance et leur forme athlétique. De toute façon, il faut rester athlétique. Donc le petit truc de quarantaine, c'est pas mal là pour s'entraîner. On va faire ça, gros, je fais une vidéo YouTube qui va expliquer ça, vu que toi et moi on peut pas se voir. On fait ça à distance. Ouais bah ouais, c'est mort, ouais. Et toi, des petits guéris de ton biceps, pareil, le programme toi et moi on l'applique, hein. Pas de secret, hein. Comme tout le monde. Ouais, dans une semaine, là, le biceps, il est réparé, après, j'envoie le direct. Ça va être comme tout le monde, dans le salon, élastique, sur le tapis. Ouais. Madame à côté. Ouais, c'est vite fait. C'est tout. Hein. Y a pas de secret. Ouais, c'est vite fait. C'est vite fait. Et de toute façon, on va faire tourner le truc, hein. Il est gratuit, on va faire tourner, on va aider les gens, ceux qui veulent s'entraîner, et voilà, on va leur balancer ça, et puis voilà. Celui qui veut garder sa condition physique et qui veut améliorer son corps, bah, il prendra le e-book. De ouf, je te laisse trouver un hashtag. Ouais, vas-y, carrément. Un petit hashtag genre, carrément, on va. Quarantaine workout, quarantaine sinity, un truc du genre, tu vois, je te laisse trouver. Ouais. Un truc agressif et ça. Moi, je fais la vidéo YouTube, je te rappelle pour faire les groupes. On est parti pour une nuit de taf, mais tranquille, on est obligé de faire ça. On va faire ça toute cette nuit, là, on va bosser dessus, et comme ça, on va leur balancer ça. Vas-y, mon ref. Bah, je te dis à tout à l'heure, je t'appelle. Vas-y, à toute façon, si tu veux, je pars un message. Bon courage à tout droit. Vas-y, mon ref. C'est toi le corona, frère. Ça vient de toi, je sais très bien, gros. Tes chaussettes simples. Bon, bonjour à tous. Intervention spéciale suite au coronavirus. Non, en fait, les gars, vous m'avez spammé de ouf. Et pas que moi, d'ailleurs, je pense que vous avez spammé tous les youtubeurs du fit. Je sais que je suis triso du fit, mais bon, tranquille, t'es pas obligé de le dire devant tout le monde. Vous avez spammé mon frère Marvin, mes autres potos. Et en fait, les gars, ce qu'on s'est dit avec Marvin, et vous l'avez vu sur la conversation WhatsApp, la vidéo, c'est qu'on va vous faire un e-book. Gratuit, on va rien gagner, tranquille, on va juste transpirer pour vous, mais ça c'est normal. De 1, parce que ça va éviter de transmettre ce putain de virus de merde. Si vous allez chez l'un, chez l'autre, chez un home gym, ou... il y en a toujours un qui a les clés d'une salle, machin, qui va ouvrir... Les gars, c'est pas le but. Le but, c'est ce confinement, c'est pour qu'on arrête cette saloperie de virus, que le moins de personnes possible l'ait, et que voilà, tout le monde soit en bonne santé, et que ça finisse bien, tu vois. Et aussi parce que vous stressez sur vos muscles, vous avez travaillé pendant des années sur. Vous avez dépensé X argent sur les protéines, machin, la diète, les carrefours et tout, sur vos gains, et là vous avez peur de tout perdre. Et ça c'est normal. Cyprien le premier. Bon, ça va, mec. T'as déjà perdu la moitié, frère, en deux jours. Ça, je rigole. Avant le virus. Avant le virus, t'as déjà perdu, gros. Bon, bref. Là, les gars, le but c'est que
Mettez-vous en tête que si vous faites tout bien, à savoir la diète doit être parfaite, et l'entraînement du programme qu'on va vous mettre avec Marvin doit être bien suivi, vous n'allez pas perdre. Vos muscles seront un petit peu différents en termes d'apparence, parce que le travail sera différent. Vous n'allez pas pousser des poids lourds, vous allez être poids de corps, élastique, gainage. Mais, qui dit ça, pour parler un petit peu de termes scientifiques, quand vous poussez lourd à la salle, vous avez de la tension mécanique. Donc évidemment, tension mécanique, vous allez travailler les fibres rouges, les fibres rapides, et l'impact sur la dysphorie musculaire et la reconstruction musculaire sera différent. Quand vous allez travailler en poids de corps ou en élastique, vous allez faire que du stress métabolique, c'est-à-dire léger, entre guillemets, mais la brûlure, et là, les deux arrivent quasiment au même niveau de construction musculaire et de surtout d'anabolisme et de non-perte musculaire, les gars. Donc gardez ça en tête. Léger, brûlure, mais vraiment la brûlure, les gars, et là, vous allez rien perdre. Si vous allez à la salle, vous faites de la tension mécanique et vous faites ça mal, vous allez rien prendre. Vous voyez ? Donc c'est pas forcément parce que vous n'allez pas aller à la salle que vous allez tout perdre. Au contraire, si vous faites tout bien, vous allez même avoir de meilleurs résultats. Donc les gars, premier abord, c'est déjà la diète. Deuxième abord, c'est le programme Suivez-le bien. Pas de façon bête, mais suivez-le bien, les gars. Donnez tout, vous allez voir, ça va marcher. Jouez le jeu. Vous sentez la brûlure qui arrive. 99% des gens vont s'arrêter avant parce que c'est pas agréable, c'est normal. C'est plus agréable de faire juste 6, 8 reps lourds, tu t'arrêtes, tu penses que t'as fait bon, non, t'as rien fait. T'as à peine détruit et déchiré la fibre. Quand tu vas chercher la brûlure, c'est là que le mental il intervient, et c'est là que tu vas voir si t'es balèze ou pas, mentalement, avant de l'être physiquement. La brûlure arrive, tu vas la chercher encore, encore et encore. Et c'est là que tu engendres des réponses hormonales et anaboliques dans ton corps, qui vont faire en sorte que tu vas créer l'anabolisme et la non-perte musculaire, de façon implicite, tu vois. T'as compris ? J'ai rien écouté, mec. Quand je te dis, frère, fais 400 reps, c'est 400, c'est pas 399. Ok. Ok. On va faire des circuits, parce que c'est plus sympa, c'est plus ludique et c'est plus efficace. Par exemple, tu veux cibler les épaules. Je vais pas te dire de faire 100 élévations latérales à l'élastique, d'accord ? Petit circuit, il va y avoir élévation latérale, frontale, postérieure, pompe, dips, tout ça qui vont faire travailler la partie deltoïde antérieure, postérieure et latérale. C'est plus sympa, tu vois, il y aura des circuits comme ça, mais le but c'est vraiment de rien perdre comme muscle, rien perdre comme muscle, et même en construire et se galber. Ça va être très simple. Le programme sera un peu différent de ce que tu vois à la salle. Quand tu vas à la salle, tu as un split, push, pull, legs quasiment, tu fais justement un muscle deux fois par semaine. Quand tu vas faire ce programme, vu que tu fais pas de lourd, tu vas pas niquer tes articulations, ton système nerveux, tu pourras faire les mêmes exercices quasiment tous les jours. Donc je pense qu'il sera articulé. Il sera articulé de sorte à faire le haut du corps deux jours de suite. Ensuite, c'est le bas du corps. Et ensuite, tu reprends le haut du corps deux jours de suite et le bas du corps, et ainsi de suite. Et tu vas cramer, tu vas te retrouver à faire deux jours de suite, je sais pas, sans dips, sans pompe ou élévation latérale, machin, tout ça. Deux jours de suite. Tu te dis, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce que t'as pas de poids. T'as pas de tension mécanique. Donc ça va le faire, les gars. Ça va le faire. Faites partager les e-books, les gars. De 1, parce que ça va éviter la propagation du virus. De 2, parce qu'il est mortel. Hein, franchement, dans la vérité, les e-books qui seront mortels, s'il te plaît, applique-le toi. Deux fois plus que les autres. Applique-le deux fois plus que les autres. Partagez, partagez, partagez. Il est gratuit, les gars. On va tous vous aider. Prenez soin de vous. T'as un truc à dire, on dirait ? Non, mec. Non, je veux juste t'écouter de plus près, pour être plus attentif. D'accord. Bah vas-y, maintenant, pas. Ok. Du coup, faut faire des dips et des pompes. Et que ça faisait devenir balèze. Ouais. Et toi, t'es content avec tes petits œufs ? Ouais, c'est la guerre hein, pour les œufs. Hein. C'est compliqué, les gens, ils font des réserves. Ouais, franchement, les gars aussi, arrêtez. Ouais, ils sont en mode 1-1-Z. Faites pas comme les cons là qui font n'importe quoi. Il y a jamais eu de pénurie de PQ ou de je sais pas quoi, tout s'est toujours bien passé, mais faites pas comme les cons en fait. Faites des rations, arrêtez d'être égoïste. Ouais, c'est faites ça. Les choses normalement, c'est en faisant en étant égoïste qu'on va créer la panique, qu'on va créer des bagarres, le bordel, propagation du virus, les raquettes, les machins. Donc calmez-vous, tranquille, ça va bien se passer. Ouais. Suivez les consignes de façon intelligente, ça va bien se passer. Suivez le programme, partagez-le, mangez, n'oubliez pas c'est la muscu, mais. Pas que de la muscu. T'as mec, t'as vu, j'ai écouté. T'es frère, t'es attentif. C'est bien, hein. Peace.